Les places boursières d'Europe occidentale ont terminé sans grand changement. Mercredi soir, en clôture, les investisseurs ont joué la prudence avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Cette prudence s'est renforcée après la publication d'un indicateur immobilier assez décevant aux États-Unis, la baisse des mises en chantier au mois de janvier. Sur l'indice CAC 40 à Paris qui progresse de 0,2%, la plus forte hausse c'est Lafarge, plus 3,2%. Le cimentier a confirmé ses prévisions. En baisse, on trouve Vallourec, moins 4,5%. Le dollar s'est stabilisé face à l'euro mercredi à 1,3760 pour 1 euro après avoir touché un plus bas de 7 semaines avec la monnaie unique. Les cours du brut restent élevés, notamment celui du baril de brut léger américain à 102,75 $.